Nous allons recevoir à sa suite M. Stéphane Oba. Il est membre de la direction de 10 000 codeurs. Il est le chargé des relations institutionnelles. M. Stéphane Oba, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Premièrement, merci d'être venu, merci d'être parmi nous. En ma qualité de responsable des relations institutions et membre du comité 10 000 codeurs, je souhaite tout d'abord remercier le Bénin, aujourd'hui représenté par Monsieur le secrétaire général du ministère du numérique et de la digitalisation, ainsi que vous tous, de nous accueillir sur vos terres. Nous sommes ici chez vous, quelque part chez nous aussi, en tant qu'Africains, et nous sommes très reconnaissants de cet accueil. Je souhaiterais aussi remercier la délégation venue du Nord Cameroun, qui représente ce panafricanisme actif. Je souhaiterais remercier aussi tous nos sponsors ici présents, qui ont fait le déplacement de différents pays, de la métropole française, de Guadeloupe et ailleurs encore. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés et le message que l'on souhaite faire passer est très important. Je pense que nos ambassadeurs, nos ambassadrices, tels qu'Amdiatou, tels que Serrat, tels que Maurice, tels que Vivien et tant d'autres, seront les meilleurs diplomates pour faire passer le message de nos actions. Ce que je souhaite diffuser comme message à cet instant, c'est que 10 000 codeurs se tient aux côtés du Bénin, de son gouvernement, des gouvernements africains, pour accompagner la jeunesse vers les métiers du numérique. Ces métiers qui ont vocation à créer des écosystèmes vertueux, des écosystèmes vertueux. Les outils numériques sont des outils, mais ces outils restent au service des êtres humains, des femmes, des hommes qui souhaitent se développer. Donc 10 000 codeurs, dans le cadre de l'agenda 2030 de l'ONU, dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui a des objectifs ambitieux, se tient à disposition des institutions pour faire bouger les lignes, impacter et faire en sorte que l'Afrique, que le Bénin, rentre dans l'histoire et devienne les poumons de l'industrie mondiale du numérique. Je vous remercie.